Sexy Brown Sugar. Another King Dave Banger. Pourquoi tu écoutes la masse à chaque fois que tu te lasses? Pourquoi faut-il que tu te casses à chaque fois que nos embrouilles sont tasses? Y'a pas de place dans toute cette crasse. Dans notre foyer, on fera la paix. Il fait très chaud aujourd'hui, mais il fait beau, c'est l'Afrique, c'est génial, c'est le plaisir. Oh, j'adore l'Afrique. Beau week-end, belle journée, la vie c'est la fête. On est sorti faire la fête. On va aller faire un tour ensemble, n'est-ce pas, monsieur? Oui, oui. Monsieur Robert, en Giorgio Armani. On va aller faire un petit tour dans les parages. Nous sommes en fait à un endroit très intéressant que vous allez découvrir. On va aller faire un tour, on vous emmène avec nous. D'habitude, vous savez, l'Afrique, c'est le paroxysme du bonheur. Ici, on trouve des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs. Si vous ne le savez pas, je suis désolé. C'est des trucs chinois, ça. On va boire des trucs qu'on ne comprend pas. Alors, on a fait un petit break dans un station-service. On voulait acheter quelques histoires à boire. Vous savez, question de rester hydraté. C'est l'Afrique, après tout. Un grand bonheur. J'ai vu des boissons très intéressantes. Mais vous savez, ce genre d'histoire, on peut jamais faire confiance à 100%. Vous prenez ce genre d'histoire, il y a la diarrhée qui commence et ça te gâche ta journée. Donc je ne pouvais pas. J'ai été prudent, je ne l'ai pas fait. C'était génial de voir un manager aussi gentil. Voir le staff agréablement heureux, en train de discuter, ça fait du bien. Contrairement à beaucoup de pays africains qu'on connaît, surtout francophones, où quand le manager est là, le chef est là, on se tait, on est comme des robots, quoi. C'est hypocrite. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que tout le monde était souriant, heureux et relax. C'est très rare dans des shops comme ça. On a toujours peur, on est frustré, c'est très bien de voir ça. L'objectif était d'aller dans un coin où on pouvait vraiment s'amuser, passer du bon temps. À la plage, manger, danser, vous savez comment ça se passe, le week-end. Nous sommes allés au premier endroit, très intéressant. Mais arrivé, on était confronté à une situation. On est arrivé à cet endroit, le manager était très impoli. Très arrogant, incroyablement arrogant. Le monsieur voulait me montrer combien son endroit est grave, quoi. Si vous êtes venu ici, c'est-à-dire que vous savez que cet endroit est grave. Je n'étais pas d'accord. On a jugé beau d'aller ailleurs. Arrivé au prochain endroit de manière très intéressante, on a rencontré une femme manager, elle était la chef et elle m'avait reconnu très gentiment. Elle me dit s'il vous plaît venez entrer, entrez, vous avez besoin de quoi, qu'on fasse quoi pour vous. On est entré. Donc il y avait une très grande différence entre... C'est pourquoi on dit toujours il faut avoir des bons managers. Génial! Il fait beau aujourd'hui. C'est une belle journée. D'habitude, on est là un samedi après-midi d'un mois de juin. Toujours un réel plaisir, les Indiens sont là. Ils adorent l'Afrique. C'est beau l'Afrique. Tout le monde aime l'Afrique, sauf les Africains apparemment. How's life? Yeah, nice. Life is good in Africa. Hein? Good.
You like it, huh? Yeah. That's awesome. You're going to stay here? This place is very good. Huh? This place is very good. It's very good? Yeah. Awesome. I'm Zach. Okay. Yeah, I'm going. Go in. Nice to meet you, man. Yeah. Okay. C'est super, c'est génial, comme vous le remarquez, ben voilà. Je prends un appel, excusez-moi. Hein. N'enregistrez pas mon appel. Allô? Allô? Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. L'équipe avait même dit au monsieur précédent, si vous étiez propriétaire de cet endroit, vous ne feriez pas ce que vous faites. Vous allez le regretter plus tard. Donc c'était agréable d'arriver à un endroit où tu es bien accueilli. Comme je le dis souvent, il faut quitter la table aussitôt que le respect n'est plus sérieux. Et là où est le respect, on y va. Not yet, not yet. Going with me together? We're gonna go. No, no, not with them. We're all going together. Later. Same boat, different. No, 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 different. No, you're going first. We're gonna come after you. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Where are you from? I'm India. Okay. Zach? I have my hotel here, Gesto and Guest House, Chitoro. Okay. Hotel and Guest House. Okay. This one UN soldier. UN soldier. Okay. They stay my hotel. Okay. So I'm the owner of both. So okay. My customer. That's very you good. Come anytime. Vous savez, celui qui connaît le business connaît la valeur des humains. Parce que ce sont les humains qui emmènent le business. Un monsieur indien là, qui vient gentiment, après avoir googlé très rapidement pour savoir qui j'étais, gentiment est venu, bonjour, comment allez-vous? Prenez ma carte, je suis propriétaire de quelques hôtels ici, s'il vous plaît, venez chez moi. Je vous en prie, très gentiment. Ce sont des choses qu'on doit devoir apprendre. Être en position de force ne veut pas dire que tu as l'autorité sur tout le monde. Surtout pas la clientèle. Le client restera. Ça, c'est très important. Vous voyez comment un bon businessman agit quand il voit un potentiel client. Il vient te dire bonjour, il te salue avec beaucoup de gentillesse. Il m'a donné son numéro de téléphone, il me dit viens chez moi, viens passer, va voir ce qui se passe. Ça fait du bien. On va aller voir ce qu'il a à offrir. Good boy. Mais évidemment, comme un alpha qui se respecte, il faut toujours faire le tour de l'endroit. The alpha. Vous savez, l'alpha, quand il arrive quelque part, il se pose, il fait un tour, un seul, hein, pour prendre possession de l'endroit. Très important. C'est comme le lion, quand il arrive dans un coin, il fait pipi, il marque son territoire. C'est comme ça que l'alpha marque son territoire. Donc tout le monde sait que l'alpha est là. Pour réclamer son territoire, l'alpha est là. Il y avait beaucoup de jeunes jolies dames avec leurs hommes. Mais quand l'alpha est là, tous les bêtas regardent. Donc c'est comme ça. C'est un jeu. C'est un jeu très intéressant, il faut le connaître. On est alpha, mais on reste gentil et sympathique. La fête commence. Il y a être solitaire, parfois, ce n'est pas une bonne chose. Donc dans la vie, souvent, sortir un peu, se régaler, passer un moment seul pour avoir l'inspiration et beaucoup de choses. C'est ça, quoi. Donc, quand on est seul, parfois, on cultive l'esprit de créativité. Donc, c'est une bonne chose. Yeah. On est un week-end. Il y a donc, profitons de la vie, quoi. Donc, quand tu as... Si tu es en bonne santé, Dieu t'a donné la chance d'être en bonne santé. Parfois, il faut aller aussi contempler la nature. En contemplant la nature, Robert, tu viens pas. Tu glorifies les créateurs. Mes amis, toi, Robert. Ouais. Parce que c'est Dieu qui a créé tout. La mer, tout ce qu'on vous voit. Donc. Parfois, l'autre, on est en villégiature, en randonnée. C'est inspirant, quoi. Donc, c'est un peu ça, donc. Les gars, souvent il faut quitter notre confort zone et aller dans un endroit où ça te donnera
avoir l'inspiration, beaucoup de choses. C'est un peu ça. L'endroit était génial, l'ambiance incroyable, beaucoup de gens heureux en train de danser, ça fait plaisir. C'est pourquoi j'aime les pays anglophones. Les gens ne se gênent pas, ils disent ce qu'ils pensent, ils se marrent, ils dansent, c'est génial. Vous savez, chez les francophones généralement, quand vous allez à la fête, vous voyez les gens en train de bouder. Tu vas boire quoi? De l'eau. Toi, tu viens à la fête des gens, tu ne vas pas manger, tu veux boire de l'eau. Il faut rentrer à la maison, tu es venu faire quoi? Fire in the hole! Wouhou! L'endroit est génial. Il y a beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de belles jeunes femmes. Ah, c'est bien, ça fait plaisir. Vous savez, les femmes sont comme un peu comme les fleurs dans un jardin. Le jardin ne peut être beau sans la présence des fleurs. Il doit y avoir des fleurs. Et les fleurs, on les arrose. Il faut arroser les fleurs. Donc on arrose la femme pour qu'elle soit jolie, intéressante, géniale. C'est facile d'envier la femme de quelqu'un. Hein? Envier, c'est facile. Oh, elle est jolie, je voudrais la voir. Faut investir. Vous savez, je me souviens plus jeune, on voyait des filles dans le quartier. Une fille qu'on négligeait. Mais quelques temps après être sorti avec un monsieur assez mature, elle change complètement. Alors la femme, c'est la fleur. Il y a beaucoup de fleurs ici. Beaucoup de fleurs dans le jardin. Et moi, je suis le jardinier. Robert, où est Robert? Où est Robert? En tout cas, c'était un moment très agréable. La fille là, gentiment, comme vous voyez, sans vraiment le dire très subtilement, elle voulait parler un peu, quoi. Mais bon, avec tout le respect, c'est apprécié. Quand les gens expriment leurs sentiments, il ne faut pas négliger ça. Ça fait du bien. Mais on n'était pas là pour ça. C'est une belle journée, ça fait du bien. C'est important de se faire du bien. Sinon, on craque. Hein. Vous savez, la vie est très brève. Ah, tu es là, demain, tu meurs. Donc, autant il faut pleurer pour l'argent. Il faut vivre. Il faut en profiter pour se faire du bien. Donc, on vient très souvent. En tout cas, on s'assure chaque week-end, moi et mon équipe, en tout cas, de se faire du bien. Aller faire un petit tour. Aller manger un truc, aller découvrir de nouvelles histoires. Et un grand moment de jet ski, c'était le paroxysme du sentiment qu'on avait là sur place. Il fallait se lâcher. Vous savez, quand vous avez des journées très surchargées, il faut toujours avoir du temps de se lâcher. C'est important. Moi, je pense que dans la vie, il faut garder une partie de son enfance. Il ne faut pas tout tuer. Il ne faut pas être trop sérieux. Si vous êtes trop sérieux, vous ne jouirez pas de la vie. Et les gens trop sérieux, moi, je ne les fais pas confiance. Comment tu peux être trop sérieux de toute ta vie? Le matin, tu es sérieux. Midi, sérieux. Le soir, tu es sérieux. Il y a une forme d'hypocrisie. Ensuite, on a pris un petit break pour jouer un peu de la musique traditionnelle. Robert et moi, comme d'habitude, hein, c'est toujours chaud.
Il y a une analogie en anglais où on dit, avant d'entrer dans les toilettes, il faut s'assurer qu'il y a des papiers toilettes. Maintenant, j'ai toute une équipe de gens, des gens qui adorent faire la fête, qui veulent aller avec moi sur le lac, mais ne savent pas nager. Maintenant, la peur froide de tout le monde, quand les vagues commencent à frapper, c'est incroyable. Maybe it's good. Alors, ça va? Oui. Tu as peur? Prochainement, il faut t'habiller correctement. C'est pas comme ça qu'on va à la plage, mon frère. Hein? Moi, écoute, je sais, mais... Tu savais pas que quoi? Qu'il y avait la mer, il y avait de l'eau, il y avait tout ça? Non, je savais, mais... Je savais pas comment faire un tour. Ah là là! Oui, moi, je suis aquaphobe. Je perds d'eau profonde, donc il y a autant d'ambitions à faire. Faire des amphares, faire de l'argent, c'est un peu ça, quoi. Donc, j'avais peur. Pourquoi vous apprenez pas à nager? Vous savez, il y a des blogs qui disent que les Noirs ne savent pas nager. Il faut apprendre à nager. Nager, c'est bien, ça fait du bien de savoir des trucs nouveaux, tout ça. Nous, on a appris à nager très jeune, très, très petit. On partait dans la rivière, on faisait des trucs comme ça. C'était génial. Mais c'est... Ah oui, bah. Marvel est au fan d'Inaé. Boulalamboula. Marvel est au fan. Boulalamboula. Bon, ça n'a rien. Je suis là qui t'es. J'avais vraiment peur, mais je me suis quand même ressaisi à la fin. J'avais aussi une forte envie de vomir. Et moi, je commençais à faire. Oh! J'ai même demandé à tonton Robert qui était à côté. Je lui ai demandé est-ce que je peux avoir un coca? Je me sens pas bien. Man. Crazy thing, I don't know how to swim. You know, anything can happen on the way, on the water. You know, it was, the water was too wavy. I mean, I was holding a big camera and I was like, but if it flips over, what can we do? Ouvre-moi ça. Ah, toi, tu es soulard, moi, je le fais. Hein? Un soulard expérimenté. Je pose des questions. Mais il faut dire ça en français. Pourquoi il faut réfléchir pour dire ça en français? C'est un anglophone. Vous savez, à force de vivre beaucoup trop longtemps dans un pays anglophone, on a tendance à perdre les mots, les phrases, la rapidité, tout ça. Donc pour formuler une phrase en français, des fois on a besoin de vraiment réfléchir, d'utiliser les kilowatts nécessaires pour sortir une phrase correcte. Mais, aussitôt qu'on est adapté à l'anglais, le français, malheureusement, on aime de moins en moins. C'est ça la vérité. Ce n'est pas un sentiment de moi. Vous pouvez demander à n'importe quel anglophone, il vous dira ça. À n'importe quel franco-anglophone. À part les français. Mais c'était un moment très agréable de discussion aussi. De jouissance en même temps, on échangeait un peu, on a parlé sur le passé, sur les choses qu'on a fait dans le passé, comment on vivait, on dormait, même le sol, comment on était en difficulté, on ne pouvait pas avoir à manger, comment les gens nous ont aidés. Je pense que c'est important de reconnaître qui t'a aidé dans la vie. On ne réussit pas seul, c'est pas possible. Mais il faut reconnaître qui t'a aidé, qui t'a soutenu quelque part dans la vie. C'est très important. La reconnaissance, je pense, a un pouvoir spirituel. Excellent moment sur le lac. Merveilleux. J'en profite pour toutes ces personnes que je connais, que je connais peut-être pas. Si je vous ai fait du mal, pourquoi me pardonner? Je n'ai pas fait ça sciemment. Il ne faut pas garder des rancunes. Vivons en paix, dans la bonté, la sympathie. Peut-être que je l'ai fait sans vraiment réfléchir. Aujourd'hui, devant le monde, je vous le dis. Pardonner son ennemi pour en faire des amis. Voilà. Et encore une fois, je tiens à remercier Juma Eri. Juma Eri m'a accueilli dans un pays étranger, je n'avais rien du tout. Voilà. Il m'a accueilli, il m'a logé, il m'a acheté à manger, il m'a payé le train pour aller ailleurs, il m'a recommandé auprès de son ami. C'est là que mon histoire a commencé. C'est là que mon histoire de guerrier a commencé. Et peu importe où il est, je le salue, je le reconnais, peut-être que je ne l'exprime pas assez, je ne le dis pas ouvertement, enfin je le dis ouvertement, je ne l'appelle peut-être pas pour le dire, mais je le dis devant le monde, les millions de monde. Juma Eri m'a beaucoup aidé dans la vie, je n'oublierai jamais.
peu importe votre domaine, en tant qu'ami ou collègue, je pense qu'il est important de passer du temps en communion, passer du temps à se faire du bien, discuter en tant que frère, c'est l'Afrique après tout. Wow. Il y a l'eau qui rentre de partout là. Hein. C'est ça qui me vient dans la tête. Ouais. Les voyageurs clandestins qui voyagent, qui quittent la Méditerranée pour aller en Europe. Tout à fait. Ça me fait penser aux voyageurs clandestins. Oui. Comment ça se passe? Ces gens-là, il faut beaucoup de courage. Ils sont déjà à encourager. Je vous dis, les gars. Encourager. C'est pas facile. Encourager ou à respecter? Pas encourager, mais à respecter. Oui, à respecter, oui. Parce que voilà, ce bateau évidemment est adapté à ce genre de mouvement. Donc, l'eau qui rentre et qui sort. Vous regardez si en bas, l'eau rentre par ici et sort par là. Voilà. Donc le bateau est adapté, ça n'a aucun problème. Mais pour ceux-là qui vont de l'Afrique à travers la Méditerranée pour l'Europe, les bateaux ne sont pas adaptés à ça. Pas adaptés. Donc l'eau qui rentre reste à l'intérieur. Et ça fait peur. Hein. C'est... Voilà pourquoi c'est facile qu'un bateau puisse faire naufrage. C'est facile. Non, c'est pas trop, ils ont pas adapté. Wow. C'est un grand plaisir d'être là avec l'équipe entière. Il y a Adrienne là-bas. Montrez-nous Adrienne, s'il vous plaît. Toujours un plaisir, un grand bosseur. Il y a aussi Marvel de l'autre côté, Adrienne, show Marvel. Voilà. On vit ensemble, on se fait du bien ensemble, on mange ensemble, on sourit ensemble. Quand ça fait mal, bon, ça fait du mal à tout le monde. Il faut, dans la joie, emmener tout le monde avec soi. C'est ça la vie. On ne peut pas manger seul. On ne mange pas seul. On réussit pas seul. La vie, c'est pas possible. On fait pas, peu importe ce qu'on fait, on le fait pas seul. Il faut faire avec des gens. Jamais. Il y a beaucoup plus de plaisir. Comme tu disais, c'était quoi? On vit pour les gens, c'est ça? On vit pour les gens. L'événement universel, c'est de vivre pour les autres. Le bien-être universel, c'est de vivre pour les autres. Oui, oui. En réalité, je ne savais même pas que cette histoire serait documentée comme ça. En tout cas, pas comme ça. C'est l'équipe qui m'a encouragé à le faire. Dans notre projet de parcourir le reste de l'Afrique, 54 pays, il y a tellement de choses à découvrir. On viendra peut-être chez vous très bientôt. Il y avait tout ce qu'on voulait, la bonne musique, des belles femmes, la bonne bouffe. Oh, qu'est-ce que j'adore la bouffe. Il y avait suffisamment à manger. Il y avait tout ce qu'on désirait. C'était un moment super agréable, de communion, de travail aussi. C'était merveilleux, génial, la mentalité agréable, les gens très bien, très sympathiques, pour la plupart en tout cas. Les femmes très libérées, les hommes très joyeux. Bon, c'est vrai que certains n'aimaient pas ma présence parce que quand on fait ça, qu'on est ensemble, là, ça dérange. Mais toujours un grand plaisir, il faut se faire du bien, c'est très important. La vie n'est promise à personne, en tout cas, l'avenir, on ne le connaît pas. Si vous aimez ce genre d'histoire, faites-nous savoir. On vous donnera beaucoup plus, on en a tellement à offrir, beaucoup plus de documentaires comme ça, beaucoup plus de films comme ça, sur mon aspect personnel et mon équipe. Mon nom est Zach Mwekasa. Le guerrier noir. Votre frère. Tikana!